Notre territoire va être demain plus fort, parce que ce sont ces start-up auxquelles je souhaite de grandir, et si possible de ne pas se faire absorber, en tout cas pas trop vite, mais ce sont ces start-up qui constituent notre tissu économique vivant, dynamique, innovant, et celui qui nous fait aussi connaître à l'étranger, et qui attire. C'est quelqu'un qui a une idée, qui cherche des financements, qui cherche des associés, qui cherche des compétences, qu'il n'a pas lui-même forcément, et qui, au bout d'un parcours souvent difficile, parcours du combattant, parce que même si ça va beaucoup mieux en France, et notamment dans la métropole Nice-Côte d'Azur, monter sa boîte, monter sa start-up, c'est pas forcément facile. Donc ça demande beaucoup de persévérance, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'astuces, je pense que ce sont de très grandes qualités que l'on reconnaît à ceux qui sont en général des jeunes. Et je dois dire qu'à un moment où on a tendance à surtout entendre les défaitistes, ceux qui disent « ouais, les jeunes sont bons à rien », etc. Moi, quand je vois tout ce que ces jeunes, en tout cas par rapport à moi, sont capables d'imaginer, de créer, de faire grandir, ben, je dis chapeau.